Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là comme tu peux le voir, donc je suis en train de me balader, je fais ma petite balade hebdomadaire que je fais chaque semaine. Et là il y a le mois de juin qui approche à grands pas, donc ça va être bientôt mon passage pour la lutte académique. D'ailleurs je voudrais faire une petite parenthèse pour les personnes qui ont voté pour moi pour la lutte académique. Merci beaucoup, mes votes ont littéralement explosé. Malgré que les votes ont été faits à 95% de mon entourage, de ma famille, de mes amis, je sais qu'il y a quand même des votes qui ont été fait via YouTube, donc ça je pourrais jamais vous remercier assez. Merci beaucoup, je suis passé en tête des votes et ça va littéralement me donner vraiment un gros avantage pour mon premier passage. Mais en attendant mon passage le 26 juin, là je dois me préparer en ce moment, je me suis fait une sorte de petite préparation physique, donc c'est rien d'exceptionnel, c'est juste que je me suis plus axé sur un entraînement type bodybuilding. D'ailleurs tout à l'heure je vais aller m'entraîner à la salle de sport pour faire un entraînement d'obiceps. Et en ce qui concerne mes entraînements, en ce moment, bon, enfin, je fais ça depuis plusieurs mois, je fais 3 entraînements à la salle de sport et 2 entraînements de catch toutes les semaines. Donc par semaine, ça fait au total, ça me fait 5 entraînements par semaine. D'ailleurs, c'est une proportion d'entraînement pour moi qui est suffisante, enfin qui est efficace pour ce que je veux faire. Parce que les entraînements de muscu vont m'aider sur le côté force et le côté esthétique. Et après, il y a le côté entraînement de catch qui vont aussi m'aider à être efficace dans le ring. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis pas mal content de ce qui se passe au niveau catch parce que le mois de mai et le mois de juin sont pas mal chargés et ça, c'est vraiment cool. Au mois de mai, je pense que j'ai eu 4 shows, donc vraiment un show toutes les semaines. J'en ai eu un justement samedi dernier. Et au mois de juin, je vais en avoir 3, dont la Lutte Academy. Et je commence à travailler pour différentes promotions, donc ça, c'est vraiment cool. Et là, donc, ce que je vais faire, je vais d'abord finir ma balade et après, on va se retrouver à la salle de sport pour que je te parle de mon entraînement. Faut que je te raconte une action qui vient de m'arriver parce que là, tu vois, je reviens du garage. J'avais rendez-vous au garage pour faire la réparation d'une crevaison à ma bagnole. Et donc, vendredi passé, je téléphone au garage pour lui demander, ben voilà, pour prendre rendez-vous, quand est-ce que je peux venir pour faire réparer mon pneu, tout ça, etc. Et le garagiste, il me dit, enfin le mécanicien, il me dit, ah ben tu peux passer lundi. Donc aujourd'hui, on est lundi. Mais il y a un truc à savoir, c'est un jour férié aujourd'hui. Et j'avais bien posé la question au mécanicien pour savoir si c'était quand même ouvert le lundi. Malgré le jour férié. Et le gars il me dit ouais pas de problème, on est ouvert. Donc du coup je me dis c'est parfait, je travaille pas, je vais pouvoir en profiter pour aller faire réparer cette crevaison. J'arrive là-bas, fermé. Du coup je retéléphone au garage et je dis bonjour, j'avais un rendez-vous aujourd'hui à 3h30 pour faire une réparation, mais je vois qu'on dirait que le garage est fermé. Et là le mec il me fait oui c'est un jour férié, aujourd'hui on est fermé. Donc le mec, je l'appelle vendredi pour avoir un rendez-vous, il me fixe un rendez-vous le lundi qui est un jour férié, il me dit ouais on travaille quand même, et puis là je l'appelle, je vais jusque là et il me dit ah ben non on est fermé. Mais bon voilà, j'avais envie de te raconter un petit peu cette mésaventure qui m'est arrivée aujourd'hui. Au moins je sais que je ne vais plus devoir aller à ce garage là parce que quand t'es pas capable de fixer un rendez-vous correctement, le professionnalisme laisse clairement à désirer. Et donc là du coup maintenant il va être l'heure pour moi d'aller m'entraîner et je vais te dire à tout à l'heure juste après la séance.
Entraînement dos biceps terminé. Donc j'ai fait un bon petit entraînement de manière générale, bonne sensation, bonne petite congestion. Et c'est ça justement le but que je recherche dans mon entraînement. Il y a juste un petit peu au niveau des tractions où je galère un peu. Comme tu as pu le voir, j'ai dû mettre un élastique. Je pense que c'est l'un des seuls exercices où je galère vraiment. Je suis obligé de mettre un élastique pour m'aider. Même poids du corps, je galère. Je crois que poids du corps, je dois en faire peut-être 4-5 propres, mais après ça devient dégueulasse. Donc là, du coup, là, je vais me rediriger vers chez moi pour manger mon repas post-entraînement qui va se composer de... Non, je vais pas te le dire et je vais plutôt te le montrer. Il est l'heure de manger, je meurs de faim. Heureusement, mes repas sont déjà préparés, il y a juste à réchauffer. Alors, au menu, on a du riz, il y a à peu près 200 g de riz basmati plus 180 g de haché. Et avec ça, je vais rajouter un avocat en entier. Et puis, pour l'assaisonnement, je vais mettre un tout petit peu de miel et de miel et ail. C'est vraiment bon quand tu mixes le tout. Voilà à quoi ça ressemble quand tout est mixé. Donc là, il n'y a plus qu'à le mettre 1 minute 30 au micro-ondes et après, ce sera prêt à manger. Il est 19h30 et c'est l'heure du cheat meal. C'est le moment de la semaine qui est tant attendu pour moi. Et ce soir, au menu, pour moi, ce sera une pizza avec une Ben & Jerry's. Le cheat meal, c'est toujours un moment sacré pour moi parce que, ben voilà, vu que c'est quelque chose que je mange une seule fois par semaine, parfois deux, ben, c'est toujours un moment qui est un peu attendu évidemment dans la semaine. Et je vois ça aussi sous forme de récompense des efforts que j'ai pu faire dans la semaine. Dans la semaine, je suis sérieux, je suis vraiment carré sur ma diète et sur mon alimentation en général. Et le week-end, ben, je me fais plaisir avec un petit cheat meal. En ce qui concerne les cheat meals, je suis assez classique. Moi, j'aime bien tout ce qui est burger, une glace, une pizza, des sushis par exemple. Ce genre de cheat meal, c'est vraiment les cheat meals que je mange généralement. Et ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de pizza, donc je me dis, ce soir, ce serait une pizza. La pizza est arrivée. Ouais. Alors, c'est une pizza bacon, je crois, jambon. C'est un mix de jambon, bacon, viande hachée. Et pepperoni. Et comme petite récompense, le petit dessert qui passe toujours bien, une Ben & Jerry's à crème glacée. Donc si je vois, c'est biscuits, chocolat, il y a un mélange de cookies. En tout cas, je pense que j'ai jamais goûté et ça doit être super bon. Et comme boisson, un iced tea. Bon là, il est l'heure de manger, j'en ai marre, j'ai faim, je vais dégommer cette pizza. Moi, je vais te laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à me le laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant, mais aussi en laissant un commentaire juste en dessous. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !